Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Flint, le petit canard, dans Haven Park. Et on va tout de suite aller voir en jeu de quoi il en retourne. On avait trouvé deux camps, les camps qui sont ici, sur la carte. Pour l'instant, notre carte n'est pas très détaillée. Et... ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un jeu avec une durée de vie assez courte, qui fait quand même pour chiller. Donc la durée annoncée est de 2-3 heures. En chillant un peu plus, on devrait faire plus, et en complétant toutes les quêtes secondaires qu'on pourrait trouver. D'ailleurs, en parlant de quêtes, donc on a trouvé le campement de la plage du soleil, ça c'est bon. On est à 8% du maintien du parc. Et trouver tous les campements, ce n'est pas fait. Donc pour l'instant, on en a deux, la plage du soleil et la crique de l'ouest. On va voir si on peut en trouver d'autres. On a un point de compétence à prendre. Et en fait, j'essaierai bien d'économiser un peu pour prendre cartographie. Histoire qu'on ait un petit peu plus d'informations sur notre carte. Même si toutes les autres sont aussi intéressantes, hein. Trouver plus de pièces, plus de métal, ce genre de choses-là, ça peut nous aider. Surtout qu'on sait que là, on est un peu en déficit de métal. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Alors, on a le canyon droit devant, la crique de l'ouest. Je voulais revoir. La tour noire et le rocher de la tortue. Je crois qu'on a été sur aucune des directions, donc on va aller par là. Sur ce petit chantier, prendre cette petite pièce. Et en fait, je serais bien allé en bas, en fait, plutôt. Ah bah oui, comme ça, en dégringolant, c'est parfait. Alors, je peux prendre la pièce. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, je peux rien en faire. Tout ceci est bien étrange. Une pelle. Du bois. C'est déjà pas mal, des champignons. Est-ce que je peux remonter? Saute. Je peux prendre du bois ici. Est-ce que je peux remonter par là? Je peux remonter par là. C'est parfait. Je peux réparer la torche. Alors j'ai un seul de métal, mais je vais le faire. Je peux prendre le bout de bois que je n'avais même pas vu. Je peux réparer la barrière. Ici, il n'y a pas de barrière, c'est dangereux. Voilà, j'ai retrouvé le chemin que je montais. Donc, il y a quelque chose là-bas. Donc, le canyon, le lac mort et la tour noire. On ne connaît pas le lac mort. Je peux souffler sur je sais pas quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout regardé ma luciole. Est-ce qu'elle est allée dans mon inventaire ou pas? Mes choses. Voilà. Messieurs, petite luciole qu'on peut utiliser pour allumer une lanterne. D'accord, donc ça avait bien un intérêt de capturer cette luciole. Ok. Donc il y a visiblement des choses par là, des choses par ici. Je crois que je suis déjà venue en bas en tout cas. C'est ça, c'est les barils que j'ai vidés la dernière fois. Ah, je peux souffler la petite fleur, c'est ça que je peux faire. Donc ici, il y a une petite pièce qu'on va prendre. C'est toujours utile d'avoir des pièces. Ici, il y a un coffre. Un peu de tissu, un peu de métal, c'est parfait. Est-ce que je peux sauter pour arriver ici? Ça me paraît un peu haut. C'est parfait. Je peux. J'ai atteint le niveau 4. Et du coup, je peux donc... Veux-tu bien me laisser scroller? Voilà. Euh...
Voilà, je peux donc prendre la cartographie. C'est parfait. Et comme il me reste un point de compétence, je prendrai bien de quoi trouver plus de métal. Le métal et le tissu, ça fait partie des choses qu'on trouve pas des masses. Et le tissu, visiblement, je peux pas trop en trouver plus. En tout cas, on pose pas de compétences. Eh, c'est joli ça. Ah, je vais pouvoir mettre ma luciole dans la petite lanterne. Oh. Bon, maintenant, il faudrait que je revienne de nuit. Pour voir ma lanterne. Alors, est-ce que je peux aller ailleurs? J'avais dit qu'il y avait l'air d'avoir un petit village. Et comme je papote en même temps, j'ai déjà oublié dans quelle direction il fallait que j'aille. Non, donc il n'y a pas de village. Il y a un lampadaire à réparer. Et on n'a pas ce qu'il faut. Et ici... Je peux prendre le champignon, par contre, ça je peux... Oui, je dois pouvoir réparer aussi la barrière ici. C'est parfait. Vraiment en manque cruel. Puis-je sauter? En manque cruel de métal. On va essayer d'en trouver. Donc il y a la plage du soleil par là et les soul plairers par là. Donc ça... On a déjà faire piou piou, c'est piou 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 piou. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est marrant. Et une petite pièce bien tricky. Non, à mon avis, j'ai pas encore. Ouais, j'ai pas encore l'athlétisme qu'il faut, puisque on a pu voir que dans les compétences, il y avait de l'athlétisme. Un petit peu de métal, un petit peu de tissu, c'est parfait. Et on va reclaquer notre métal pour réparer le lampadaire. Avant d'oublier où il est. J'espère qu'avoir pris ces bidons de lait ne me fera pas de nouveaux ennemis. Hein. On se souvient de ce petit bateau en bois qu'on a détruit. Ici, il y a du bois. Ici, il y a des champis. Ici, il y a des champis. Ici, il y a un lampadaire à réparer. Et j'ai déjà claqué quasiment tout mon métal. Ça part super vite, ce métal. On n'a rien dans l'eau. On va longer un petit peu, voir ce qu'on peut trouver. Voilà, on retombe sur grand-maman. Je pense qu'elle n'a plus rien à nous dire. Tout va bien se passer, Flint. Profite bien de cette nouvelle aventure. Piou, piou, piou! Appuyez sur X. Ici? Ah oui, je ne peux pas le voir en fait. Il y a l'air d'avoir des petits panneaux qui sont un petit peu pas visibles. Alors est-ce que c'est parce que je joue pas forcément avec les graphismes au maximum? Peut-être. Ah, réparer la torche, ça nous coûte notre dernier métal. Catastrophe. Il y a l'air d'avoir un campement là. Il y a l'air d'avoir un coffre en haut. Comment je vais en haut pour récupérer ce coffre? Peut-être plutôt de ce côté-là. Bah non. Ah, je suis tombé à l'eau. Flop, flop, flop.
Ça m'apprendra. Je voulais faire des provisions de métal pour retourner voir mes campeurs et en fait je les consomme en... tout simplement en allant explorer et essayer de rallumer un petit peu les torches et compagnie. Ouf, on prend, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Il y a une pile de tissu. Ah, on va pouvoir grimper par là. Ça a l'air pas trop mal. Donc je prends ça. Je grimpe ici. Voilà. On a trouvé les saules pleureurs. Donc on prend le tissu, le bois. J'ai peur de prendre le seau maintenant. Alors. On peut construire du coup un petit feu de camp que je vais mettre là au milieu des pierres. Voilà. On va continuer de regarder un peu ce qu'il y a. Donc on voit qu'il y aurait un coffre de l'autre côté. Est-ce que je peux y accéder? Là il y a un champi. Je peux accéder au champi. Ça me fait redescendre. Ah, il y a un autre campement ici. La tour noire. Ok. Et du coup, je vais pouvoir aller chercher mon coffre par là. Coffre, coffre. Parfait. Et en plus, il y a même une petite pièce. Les champis. Vous pour transporter trop de choses. Ok. Bonjour. T'as entendu parler de la légende de la vallée? Non. Apparemment, un trésor serait caché quelque part. Un trésor? Donne-moi 10 pièces et je t'en tirerai plus. 10 pièces? C'est bien trop cher. Comment est-ce que je sais que tu as une vraie info? D'accord, 8 pièces. Je sais pas combien j'ai de pièces, mais... On va continuer de négocier. Encore trop cher. Bah, tu ne le trouveras jamais. Si ça se trouve, il n'existe même pas. Tu sauras jamais. J'ai combien de pièces? Non, mais... Bah oui, il n'y a aucun endroit où manger. J'arrive, mais j'aimerais juste savoir combien j'ai de pièces. Oh, j'en ai 12. J'en ai 12, donc je peux essayer de négocier à 8, je pense. J'ai pas pris ce champignon là-haut. Mais elle est partie où? Elle part super vite! Cours, Flint, cours! Putain, elle court super vite sur cette petite route escarpée! Oh, en plus, il y a un trésor. Bah, si tu veux. Elle me dit, donne-moi les 10 pièces, et on lui répond, t'as dit 8! C'est 10. Bon, d'accord, allez, tiens. Le compte est bon. Dis-moi maintenant. La légende dit. Il y avait un vieux marchand avec beaucoup d'argent. Ses enfants méchants et avides désiraient leur héritage. Fatigué de les voir se disputer, il fit ce qui lui semblait juste. Il voyagea loin et emmena son or dans une baie. Puis il l'enterra dans le sable, dans le creux de la main. C'est tout? Ouais, bonne chance. C'est un peu arnaqué, hein. J'aurais pas à dire. Ah oui, on transporte toujours trop de choses. Se délester de quelques pièces, ça ne suffit pas. Il est où le camp? Je suis perdu, il est où le camp? Bon, il suffisait pas de suivre le chemin, visiblement. Remonter, remonter. Voilà. Donc on va construire des choses. Alors, un abri, de quoi manger. De quoi manger. Un petit stand de glace, j'aimerais bien. Ça serait cool, un petit stand de glace. Ça sera parfait pour manger des glaces. Je vais le mettre là.
Ensuite, un abri. Donc on a le choix entre une tente et un tipi. Et je crois qu'on va encore choisir le tipi pour la même raison que précédemment. Ça nous demande moins de tissu, tout simplement. Je peux mettre par là. Ah, c'est sympa par là. Je vais mettre par là. Et un petit peu d'activité. Ah, je mettrais bien une piscine. Mais c'est quand même deux métal. Ça va nous piquer notre métal. Allez, tant pis, on met une piscine. Je suis sûr que les gens, ils veulent avoir une piscine. Tout le monde vient au camping pour aller à la piscine, c'est bien connu. Elle devrait être contente. Ça fait tellement longtemps que je cherche ce trésor, mais je suis toujours bloquée sur cette partie de l'énigme. Il était. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut probablement dire... il était ? C'est peut-être une sorte de code ? Je pense pas. Ou un indice. Je suis quasiment sûr que c'est juste un mot. On saura jamais. Peut-être faut-il essayer d'autres pistes. Mais pourquoi il était ? Ok. Et donc on a eu une petite pop-up, un autre campeur est arrivé. Hé ! C'est toi qui t'occupes du camping ? En quelque sorte, oui. J'aime beaucoup cet endroit. C'est vraiment joli. Merci. Je donnerai 4 étoiles. Cool. Sur 10. Ah. C'est pas si bien alors. Comment je pourrais améliorer ça ? Paintball. Il devrait y avoir une activité de paintball. Les gens peuvent se reposer ailleurs, non ? Paintball. Je note, merci. Et pendant qu'on discutait, Chen est allé à la piscine. Je suis fatiguée. J'aimerais bien m'asseoir sur un banc. Ah, j'aimerais bien s'asseoir sur un banc. C'est une demande précise. On devrait pouvoir... répondre. Contenter. Voilà. On va mettre un banc. Ici. Il faut un deuxième... dodo. Donc on met un deuxième tipi ici. Voilà. Oui, je pourrais les mettre à côté du feu, mais non, j'ai pas envie. Et il nous faut de quoi manger encore. Une bande de. Je sais pas ce qu'il faut. Il faut du métal ou des pièces de monnaie. Et je n'ai pas ce qu'il faut. Et il voudrait de la décoration. Je vais pouvoir me délester d'un peu de bois. Attends, un palmier. Je le mets où mon palmier ? Côté de la piscine. Paraît pas mal le palmier à côté de la piscine. Waouh ! On a atteint le niveau 5. On va donc pouvoir aller voir nos points de compétence. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 points de compétence ? On pourrait prendre Vendeur Né qui permet de vendre des ressources. Ça me paraît pas la meilleure des idées. Transporter plus de ressources. On vient de voir que là, notamment les champignons que je dépense pas des masses, ça pourrait nous être utile. Je pense que je vais prendre ça. Et du coup, bah, je vais les laisser là. Tout simplement, peut-être, essayer d'attraper ce champignon, peut-être pas, hein, vu qu'on coule sous les champignons. Et d'ailleurs, on avait un aussi là, que je n'ai pas pris. Essayer d'avoir un petit chemin. Oh, il y a un petit coffre là, je ne sais plus si je l'ai ouvert, je crois pas. Ah, j'ai une torche. Ah, j'ai pas de ressources. Bah oui, forcément, il y a une torche à réparer. On n'a pas de métal. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a du métal juste ici. Mmh.
Ce qui est pas mal. Voilà. Donc je vais explorer un peu par là, un peu de bois. C'est cool. Un peu de bois, encore du bois. C'est pas mal. Un des petits panneaux d'indication qui nous donne les directions, enfin les points. Parce que du coup, j'ai amélioré la carte et on n'a pas du tout été voir ce que ça donnait. Voilà, donc ça nous indique effectivement les petites bornes avec les petits numéros qu'on a pu voir et qui du coup nous permettent un peu de nous repérer. C'est pour ça que là on était à côté de la numéro, j'ai déjà oublié. Allez, où elle est par là, elle est là. La numéro 6, donc on sait se repérer sur la carte. Je vais aller voir un petit peu par ici ce qu'on a. On a un peu de bois. Et on a une petite crique avec tout simplement une île en forme de main. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé la position du trésor? Mais comment je le déterre? Je ne sais point. Attends une minute. Il voyagea loin et emmena son or dans une baie. Puis il l'enterra dans le sable, dans le creux de la main. Est-ce que ça serait pas... Je crois que j'ai trouvé le trésor! Hurrah! Et on a terminé la quête et on a obtenu 40 pièces de monnaie. Ce qui est vraiment pas mal. Ah, une luciole! Une luciole! On court, on court, on court, on court! Allez, Flint! On a vu qu'on pouvait mettre les lucioles dans les petites lanternes, quand on rencontrait des petites lanternes. Or, voilà, on va essayer de faire en sorte d'en avoir pour la prochaine fois. Je vois des ressources en je cours partout. Ici, il n'y a pas de ressources. Il y a un coffre en haut, je l'ai vu. D'ailleurs, j'ai pas du tout géré la tour noire. Un petit coffre. Alors, la tour noire. De la même manière, il faut un petit feu de camp. Que je peux même allumer, je pense. Voilà. Et on va pouvoir, du coup, de la même manière, mettre un peu de nourriture. On va mettre un petit barbecue. Bon, je te mets où le barbecue ? Je vais mettre là. Je vais dormir là. Bah oui, mais j'ai pas mis le dodo encore. Comme d'habitude, on n'a pas des masses de tissu. Alors qu'on a plein de bois. Donc on va mettre un tipi. Et pour changer, eh ben je vais le mettre au coin du feu. Donc pour l'instant, il dort. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Champignons à métal. Pièces de monnaie, champignons. Bah, j'ai plein de pièces de monnaie, j'ai plein de champignons. Je pense que ça va être des feux d'artifice, hein, tout simplement. Je suis désolé, mon gars. Tu vas dormir à côté d'un feu d'artifice. Alors, est-ce qu'on peut grimper sur cette tour? On peut grimper sur cette tour. Il y a quelque chose. L'émeraude de la tour noire. Qui a laissé ce livre ici? Prendrez-vous les bonnes décisions pour découvrir la précieuse émeraude de la tour noire? Oh, c'est intriguant. Devenez un héros pour seulement une pièce de monnaie. Ah, allez, bien sûr. Vous êtes un aventurier essayant d'obtenir l'émeraude de la tour noire.
Après un périple de plusieurs jours, vous parvenez enfin à la tour noire. Avant d'entrer... Alors, on a deux choix. Soit on boit une potion de force, soit on fabrique une torche et on l'allume. Bah, je vais fabriquer une torche, ça me paraît un peu plus intéressant. Puis, vous ouvrez la vieille porte en bois et entrez. Il fait un noir complet. Mais vous distinguez deux cages d'escalier devant vous. Bah, j'ai fait une torche, il ne peut pas faire noir complet. Alors soit on prend les escaliers qui montent, soit on prend les escaliers qui descendent. On va prendre les escaliers qui... Amstramgram, piqué, piqué, collégram, qui montent. Vous atteignez le sommet de la tour. La vue y est très belle. Vous faites une pause. Vous commencez à questionner vos décisions de vie. Quel est le sens de tout cela ? Vous pensez. Vous décidez d'abandonner cette quête absurde. Vous avez perdu. Ah bon ? Je réessayerai. Essayez encore une fois. Bah oui, je peux dépenser encore une pièce. Vous êtes un aventurier essayant d'obtenir l'émeraude de la tour noire. Après un périple de plusieurs jours, vous parvenez enfin à la tour noire. Avant d'entrer. Je vais toujours fabriquer la torche, puis vous ouvrez la vieille porte en bois et entrez. Il fait noir complet, mais vous distinguez deux cages d'escalier devant vous. On a pris ceux qui montaient tout à l'heure, donc on va prendre ceux qui descendent. Après une longue descente, vous atteignez une inquiétante crypte. Vous avez le sentiment que cet endroit est truffé de pièges. Ah! Vous entrez dans la crypte aussi discrètement que possible, vous attrapez une pierre et la lancez dans la pièce. On va attraper une pierre et la lancer dans la pièce. Aucun piège activé, mais le bruit réveille un troll. Il vous voit immédiatement et vous écrase avec sa masse. Vous avez perdu. Bon, d'accord. Alors, je sais pas combien j'ai de pièces encore. Il me reste 32 pièces. Oui, donc on peut essayer. Et on va... Bah oui, on va essayer encore une fois. Donc on est un aventurier essayant d'obtenir l'émeraude de la tour noire. Après un périple de plusieurs jours, vous parvenez enfin à la tour noire. Avant d'entrer. Je vais continuer de fabriquer ma torche. À mon avis, il y a un moment, ça va me servir. Hein. Puis vous ouvrez la vieille porte en bois. Entrez. Il fait noir complet, mais vous distinguez deux cages d'escalier devant vous. On a vu qu'il fallait prendre ceux qui descendent pour ne pas se poser des questions existentielles de la vie. Donc, on y va. Après une longue descente, vous atteignez une inquiétante crypte. Vous avez le sentiment que cet endroit est truffé de pièges. Du coup, on va pas attraper une pierre. On va entrer dans la crypte aussi discrètement que possible. Vous voyez un énorme troll dormir sur le sol. Il tient une masse gigantesque dans une main et un ours en peluche dans l'autre. On a deux choix. Vous faites demi-tour et quittez la crypte silencieusement. Quelque chose me dit que si on fait ça, c'est game over et on fait rien. Vous passez juste à côté de lui, très discrètement. On va essayer ça. Tant qu'on lui pique pas son ours en peluche. Vous retenez votre souffle, marchez sur la pointe des pieds. Alors que vous vous rapprochez, vous remarquez un petit bout de papier dans sa poche. Sérieux ? On va prendre le bout de papier dans sa poche. On continue d'avancer. J'ai presque envie de le prendre. Vous le prenez. Il y est écrit. La pierre verte est la clé. Soudainement, le ronflement du troll cesse. Un choix entre commencer à chanter une berceuse et rester complètement immobile. Eh ben, on va chanter une berceuse. Le troll se retourne et son ronflement reprend. Soulagé, vous poursuivez votre chemin dans la mystérieuse crypte. On a vaincu le troll! Après quelques minutes de marche, vous voilà dans un couloir. Le lieu est très humide et morne. Vous entendez toutes sortes de bruits inquiétants au loin. Soudain, vous sentez quelque chose appuyer sur votre jambe. C'est un fil très fin.
On a le choix entre retirer notre jambe délicatement ou sauter sur le côté. Quelque chose me dit que peu importe ce qu'on fait, ça va nous péter à la tronche. On va sauter sur le côté. Non, je sais pas. Oui, allez, sautons sur le côté. Mais c'est trop tard. Une immense porte se ferme juste devant vous. Le chemin est bloqué. Les sons que vous entendez se font de plus en plus proches. Il y a un creux sous la porte. Mais il est trop petit pour vous permettre d'y passer. Vous tentez de le creuser à main nue. Mais c'est trop lent. Le bruit devient familier. Des pas. Beaucoup de pas. Vous commencez à paniquer. Vous devez creuser plus rapidement. Vite! Ok, il me faut un outil. Il n'y avait pas un petit chantier plus loin? Il doit bien y avoir une pelle. Allons la chercher rapidement. C'est trop palpitant. Genre, on va chercher une pelle IRL pour une histoire dont vous êtes le héros. Trop cool, je vais jamais me souvenir de ce que j'ai choisi comme choix. Alors, tu es le manager du parc? Oui, on peut dire ça. Tu as fait du bon travail. Cool. J'ai rencontré qu'un seul campeur sur deux. Du coup. Toute mon histoire. J'aime vraiment ce parc. Est-ce que tu savais que la tour noire a été construite par le roi Robin II? Je savais pas. Elle a été abandonnée quelques années après sa construction. Pourquoi? Bah, ils n'ont réalisé qu'une tour à cet endroit. Ça servait un peu à rien. Je vois. Ce sont des choses qui arrivent. Donc on a rencontré les deux campeurs, et du coup, vu qu'il y a deux campeurs, il n'y a pas d'endroit pour s'amuser. Je sais, je vois bien que tu veux une activité. Je pourrais utiliser mon dernier métal pour faire une balançoire. Alors, sachant qu'ils veulent un abri, donc on va reprendre le traditionnel tipi qu'on va mettre à côté de l'autre. On va rajouter une activité, des décorations. Alors la décoration, ça va me permettre d'utiliser mon bois, c'est toujours cool. Ça va me permettre aussi d'utiliser mes monnaies. Je peux tout regarder, c'est quoi le deuxième qui me manque. Donc, pièce de monnaie, champignon. Qu'est-ce que ça va être d'autre? Pièce de monnaie, champignon. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Du bois, ok, c'est parfait. Du coup, une petite activité. J'aurais déjà mis des feux d'artifice. Et le reste, ça coûte du métal. Du coup, je vais peut-être juste remettre une deuxième décoration. Genre un petit palmier par ici. Ça sera parfait. Je veux passer, je veux récupérer les sous aussi. Deux pièces, toujours ça de prix. Il faudrait une petite activité en plus. J'ai vraiment pas envie de claquer mon métal. Du coup, je vais peut-être laisser ça comme ça pour l'instant. Tout simplement. Et de toute façon, je vois que... le temps passe et repasse, et qu'il est déjà bien assez long cet épisode. Et je me souviens absolument plus d'où elle est cette pelle. Est-ce que la carte m'est d'une utilité pour me souvenir où elle est la pelle? Elle était... J'en sais absolument rien où elle était, donc je vais devoir chercher un peu pour pouvoir finir cette histoire où vous êtes le héros, sachant que j'ai aussi pas du tout fini les autres campements. Elle était peut-être bien par là. Allez, on va chercher cette pelle, puisqu'il faut contourner.
par ici. Pas du tout. Il n'y a point de pelle par ici. Où est-ce qu'on a pu voir la pelle? Parce que je sais que je l'ai vu la pelle. Hein. Vous l'avez vu comme moi. Mais juste, je sais plus où elle est. Eh ben, c'est pas grave. On va quand même se laisser là. Et chercher cette pelle lors du prochain épisode, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Et je vous dis bye bye.